Salut YouTube, on termine pour de vrai. Le 100% de Astalon, c'est tout de suite maintenant. Parce que j'ai triché et je suis allé voir comment il fallait faire. Pourquoi ça marche plus? Eh non mais il y a un problème ou quoi? Non, mais c'est la manette qui marche plus ou... Attendez, j'ai un doute là. J'ai un doute et ça me plaît pas trop. Ça c'est ok. Attendez. J'ai mal à ma manette là. Putain, pas la hitbit d'eau quoi. Alors c'est bon. C'est bon, elle est revenue. Donc voilà, donc on a 99% de la carte, on a 100% des objets. Et je sais pourquoi. Et on va essayer d'avoir plein de moulas, histoire d'acheter tout à tous les personnages. Ça va être faisable. Mais déjà, first thing first. Vous voyez, là à peu près au centre, eh bien, il y a une petite case. J'avais pas fait attention. Comme tu es médisant, ta manette nous défend, comment ça? Je sais pas, j'ai pas tout entendu. Faudrait qu'il recommence. Oh là là, non mais quel troll. Quel troll. Je me rappelle même plus des conneries que j'ai racontées. Donc c'est mort. C'est mort. Bisous. Faut que j'aille là. C'est deux étages au-dessus. Ok. Hop. Là, je vais en haut. Oh bah vas-y. Allez go, s'en fout. Ah ouais, faudrait que je prenne machin quoi. Voilà, c'est ça. Hop, allez go. T'as bien raison Quick Ben. Je vote pour toi. Y'a pas à voter, mais qu'est-ce que vous... Mais vous êtes bourrés tous les deux ou quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous êtes sous? Hop. Ensuite, je pense que c'est en haut. Ah, mais... Ah! Et donc, est-ce que c'est... Mais non, c'est pas là. C'est pas là, on va essayer de monter. C'est pas là non plus. Elle est où cette pièce de ses morts? Aïe, mais enfin, je me fous dessus quoi. Ah, c'est ici. Donc là. Là, il y a un passage secret. Non mais non, remonte. Non mais déconne pas, arrête. Bon sinon comment vous allez les amis? Mais non mais arrête. Comment vous allez? Disez-moi tout. Oh là là. Ah bah c'est là en fait. Ah bah c'est cool ça. Ok. Bon bah et de 1. Et de 1, faut que j'aille voir les autres. Merde, j'ai oublié. Je sais plus où il est le deuxième. Ah si, le deuxième, je crois que c'est... Non. Oh, je sais plus. Je vais aller voir tout de suite. Je vais aller tricher.
Hop, trichement. Trichement. Tac, tac, vas-y, tu te connectes. Hop. Et le deuxième, il est où? Mais il est où? Deuxième, il est là. Ok. Du coup, faut que je retrouve. Faut que je retrouve l'ascenseur. Je vais y arriver. Ça, c'est dégueulasse le truc là. Arrête. Oh, le mec il joue mal hein. Coucou Genius, comment ça va? Eh ben écoute, moi ça va pas mal, ça va pas mal du tout. Souterrain Rhin. Est-ce que c'est souterrain Rhin? Ok. Et après c'est tombeau 1. Tu vois le bout du jeu? Bah là, là en fait, là je sais où faut que j'aille et c'est la fin quoi. Là je vais essayer d'aller farmer comme un gros crado. Il était chercher une solution, il était perdu. Alors ça n'est pas vrai. Je ne suis pas allé chercher une solution. J'ai regardé le stream de Shishayu. Donc voilà. Donc c'est faux. C'était pas une soluce. C'était le stream de Chichi. Ha, faisais-moi vos malins là. Hein, du coup. C'est ça, je me suis je me suis concentré très fort. Et je me suis dit, mais comment pourrais-je faire si je ne regardais pas le stream de Shishayu. Et j'ai trouvé. Coup de bol hein. Oh là là, mais quelle horreur! Mais non! Super, j'adore. Oh, je vais prendre les pieds. Oh non! Oh, je les ai pas pris. C'est synonyme. Pas du tout. Pas du tout. C'est totalement différent. Quand tu streameras Melzekiel, tu verras. C'est complètement différent. Allez chercher. Allez prendre de l'inspiration. Et aller copier sur quelqu'un. Pas du tout la même chose. Donc là, j'ai maxé. J'ai maxé le merdier. Et ah oui, ah. Ah, ça me rapporte pas mal de moula à chaque fois en fait. Hein.
Ah oui, d'accord, 7000 balles à chaque fois. C'est bien. Mais pourquoi... Pourquoi il crève plus comme hier? Hier il crevait. Voilà, comme ça c'est bien. Et donc là le but c'est de farmer comme un gros goré. Quand j'aurai plein de thunas... je vais tout dépenser. Et je crois que je vais faire comme ça en fait. Hein. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu de votre week-end ? Tout le monde. Est-ce que vous avez prévu des trucs? Est-ce que la semaine s'est bien passée? Est-ce que vous êtes content d'être en week-end? Tu travailles demain? Ah ouais? Merde. Ah bah notre stream. Enfin nos streams d'ailleurs. Quand est-ce qu'on les fait nos streams là? Si tu travailles. Ma douleur de cheville est entre 6 et 7. Ah bah voilà, ça s'améliore. Ah mais oui, non mais hier, j'avais pas besoin d'avancer en fait, je suis con. Hier j'avais trouvé, faut que je reste ici. Voilà, et comme ça il arrase pas, c'est mieux. Tu m'avais dit 19h même samedi. Tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, c'était pour voir si tu suivais, c'est tout. Arrête un peu là. Moi je t'écoute. Silent Genius. Je t'écoute hein. Je sais quitter, c'est bon. Salut Chrisou, comment tu vas? Eh bah écoute, ça roule. D'ailleurs, ça te va si on t'appelle Chrisou et pas The Chrisou, parce que a priori, tu as une particule. Voyez, c'est à ça qu'on voit les streamers riches. S'il y en a, ils ont des particules. Il y en a d'autres qu'on n'ont pas. Oui, Chrisou, parfait. Ah, tu aimes pas le The? Bah, change-le. Monsieur de Chrisou. Tout de suite ça serait la bourgeoisie quoi. Mais du coup pourquoi tu l'as mis? T'avais pas le choix ou J'avais créé mon compte à l'arrache il y a plusieurs années et Chrisou était pas dispo. Du coup j'ai mis The en random et voilà. Ah, après t'as encore le... Enfin, ouais, peut-être que les gens te connaissent maintenant avec The Chrisou quoi, donc c'est plus compliqué mais... Y'a toujours moyen de changer quoi. Je sais que j'ai eu du bol sur Twitch moi parce que le Tony Hub était dispo. C'est pas le... c'est pas le pseudo le plus inspiré du monde hein mais... Mais j'étais content qu'il soit dispo. Par contre, ouais, sur Twitter, il est pas dispo. Donc, c'est Tony Hub underscore sur Twitter. En plus, j'étais dégoûté parce que sur Twitter, pendant un moment, ils avaient fait une vague de relâchement de pseudo. Quand les personnes n'étaient plus actives, ils ont fermé les comptes. Et le Tony Hub, moi, c'est un mec aux États-Unis, tout ce qu'il y a de plus random, quoi. Et il tweetait que dalle, mais que dalle de chez que dalle.
Donc je me suis dit, tiens, cool, il va être refilé dans le domaine, dans le domaine public, mais il va être refilé chez Twitter, le Tony Hobbs underscore, quoi. Et finalement, le mec s'est remis, s'est remis à tweeter à ce moment-là, quoi. J'ai été dégoûté. Peut-être qu'un jour. Genre, ça va, y a pas grand monde. Si Chrisou était dispo, ouais, ça m'arrangerait de changer. Mais le compte est déjà pris, bof, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, si vous subez en masse, je rachète le compte Tony Hub sur Twitter à son propriétaire. Ça, c'est mon, tiens, mon prochain sub goal. c'est je rachète Tony Hub sans l'underscore. Même pas en fait. Il a peut-être reçu un mail, effectivement. Mais derrière, en fait, il retweet maintenant, quoi. Il utilisait vraiment plus du tout son compte. Parce qu'il y a plus rien qui bougeait, quoi. Il n'y avait pas de retweet, il y avait rien du tout. Il n'y avait pas de nouveaux abonnements. Et le mec s'est vraiment remis à réutiliser son compte, quoi. Tiens, il y a un truc que j'utilisais pas depuis des années. Et finalement, c'est pas mal ce truc. Et du coup, qui c'est qui se fait avoir? C'est Bibi. Pourtant, mon compte Twitter, ça fait 11 ans que je l'ai. Donc ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Et le mec m'avait quand même piqué mon pseudo, quoi. Parce que ce pseudo, quand même, c'est moi qui l'ai, hein. C'est moi qui l'ai avant tout le monde, parce que je l'ai depuis début des années 2000, quoi. Donc ça fait un petit moment, quoi. Bon, Chrisou est toujours pas dispo. Sinon, du Chrisou, comptez Chrisou ou pas. Ça signifie un truc en particulier, Tony Hub? Pas du tout. C'est pour ça que je disais que c'était pas du tout inspiré. C'est juste Tonio parce que je m'appelle Anthony et le B c'est la première lettre de mon nom de famille. Voilà. Tout simplement. Le truc le plus con au monde, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller à plus d'un million ou pas? Ou est-ce que ça bloque? Est-ce que vous voulez vous taper du farm pendant... En même temps, c'est bien, on discute, hein, c'est cool. Tu vas crash le jeu, je serais dégoûté. Après, c'est prévu pour, hein. La zone là... La zone là est faite pour ça, donc... Peut-être le bug de l'an 2000, hein, et ça réalise la CA à 21 millions. Ah, je serais heureux, hein. Je serais super content. Parfait, ça. Ah, c'est long quand même. Combien de temps que je ferme là? Ah ouais. Balance une boulette. Merci d'avoir géré. Le grid vous a bien eu. Recommencez. En même temps, faut recommencer avec... Alors ouais, non, j'ai pas encore... Alors j'ai vu... J'ai vu quand je me suis inspiré, très très fort, j'ai vu ce qu'on pouvait faire après. Mais déjà on peut le refaire en tant que gargouille, le jeu. Je sais pas si je le ferai tout de suite, hein, par contre. Hein. Enfin, je pense pas. C'est clair, je le ferai pas tout de suite. Peut-être que un jour je reviendrai sur le jeu pour le refaire avec la gargouille. Est-ce qu'il y a un succès d'aller à 1 million?
après la question, parce que si y a un succès à 1 million, évidemment que je le... Il me faudrait 7 minutes 30 pour arriver au million là. Ah bah nickel. Faisable. Trouvez-moi des sujets de discussion et on en parle. Alors hier j'ai hier j'ai fait du jardin un petit peu. J'ai calculé, bah parfait, bah, c'est cool, c'est gentil. Et hier j'ai fait un peu de jardin, j'avais des semis que je faisais pousser à l'intérieur. Des semis de poivrons. Et que j'ai replanté hier, j'étais très content. Sauf qu'aujourd'hui il faisait pas très beau en début de journée, donc j'étais content en me disant bah voilà, c'est bien les semis, le temps qu'ils reprennent, maintenant qu'ils sont dans la vraie terre, c'est ok quoi. Et en fait, ça s'est levé à midi et il a fait trop chaud tout l'après-midi. Et là mes pauvres plantations, elles font la gueule. J'ai un lupin aussi, et le lupin est vraiment pas en forme, je sais pas pourquoi. Parce que lui, c'est pas. Lui, le lupin, ça fait un petit moment qu'il est en pot. Et là ce matin je me suis levé, il faisait la gueule. Je sais pas pourquoi. Et je me demande s'il n'y a pas eu un petit coup de dent de rabia dans le lupin. Ce qui est très possible, elle qui aime bien manger les plantes. Mon pauvre lupin fait la tête. Ah mais mes semis de poivrons, j'ai été obligé de mettre des... vous savez les petits pots en plastique dans lesquels on achète les plantes. J'ai coupé le fond et je les ai mis autour parce que l'année dernière je m'étais fait avoir, j'avais replanté les poivrons et Rabia avait été pissé dessus direct et s'est allé dedans évidemment. Rabia aurait assassiné, honnêtement ouais je pense, ça, faudrait que je vérifie s'il n'y a pas des marques de dents dedans mais vu la tronche qu'il fait, il allait très bien hein. Il allait très bien et là il y a deux branches qui sont complètement mortes quoi. Donc je pense que ça sent les petits coups de dents du petit chaton. Bah elle a pas dû aimer hein, parce que c'est un peu poivré le lupin donc je pense que ça a dû lui faire bizarre quand elle a croqué dedans. Regardez, on est déjà à 709. Ça va tellement vite. Elle aurait asséné le lupin. Ah, attends, j'avais mal lu. Est-ce que tu nous aurais pas fait un petit jeu de mots là, Silent Genius? Assène lupin ou un truc dans le genre? Non? Non? Est-ce que comme d'habitude, j'aurais lu à côté? Enfin mon talent reconnu. Ouais, non mais ouais. Désolé, hein, tu sais à quel point je ne sais pas lire le chat. C'est un problème. Je l'avais pas non plus. Ouais, moi c'est parce que j'avais lu Assassiné au début, donc c'est pour ça. Mais oui. C'est tiré par les cheveux et c'est fin de semaine. Tu dis ça pour moi là, tiré par les cheveux? Tu te moques? Tu te moques du streamer, c'est ça? C'est pas très gentil. Ça va sinon vous amusez chez vous ou pas? Il est bien le jeu hein. Honnêtement le jeu est bien hein. Oh, si ça plante je suis dégoûté hein. J'ai perdu du temps. Son cute Zimote au fait, je viens de voir ça. Ah bah merci, écoute, ça fait plaisir. C'est Mega Elode. C'est Mega Elode qui les a faites. Et je suis ravi. Et Melzekiel, t'es dans le coin ou pas hein? Melzekiel, es-tu dans le coin?
Et Mega Elod a un compte Twitter, mais elle a aussi un compte Twitch où elle fait du Animal Crossing et aussi elle fait des, elle fait de la céramique et elle fait des, elle fait évidemment de l'illustration aussi en live. Donc n'hésitez pas à aller voir Mega Elod. Bah attendez, je vais mettre le, ah bah parfait, oh là là, ça a une genius, merveilleuse. Voilà. Genius vous met le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit tour et à lui dire que les emotes qu'elle m'a faites sont, sont super jolies. Mais ouais, non, c'est, un peu la, c'est un peu la vie de tout le monde, donc je suis content quoi. Je suis content qu'on ait fait ça tous les deux. Parce que bah, les, globalement les idées viennent de moi et enfin. Pas pour tout, pas pour tout. C'est clair, sur des trucs qu'elle m'a aidé. Par exemple sur le nom, j'avais aucune idée pour le nom et le truc qu'elle a fait pour le nom est juste génial quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment cool ce qu'elle a fait. À des tarifs très très raisonnables. Donc n'hésitez pas. Et du coup il y a Mel Ezekiel qui me tanne, enfin qui me tanne, ça va, qui me tanne gentiment. Qui me tanne gentiment pour un canal Discord que j'ai créé, ça y est. Alors faut que je vois un petit peu comment le configurer maintenant. Alors pensez pas que je vais beaucoup le je vais beaucoup mettre de trucs dedans, hein, mais voilà, j'ai créé un canal Discord et donc j'ai demandé à Elod si je pouvais utiliser les emotes sur le Discord et elle m'a dit oui, pas de soucis. Parce que de base elle limite l'utilisation des emotes. Ce qui est normal, hein. elle a pas envie que ses emotes se retrouvent sur des mugs et des trucs comme ça. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit oui, pas de souci pour Discord. Donc je suis content d'avoir eu son aval pour ça. Donc en plus maintenant on va pouvoir utiliser les emotes sur Discord, ça va être merveilleux. Faut que je mette tout ça en place, faut que je regarde un petit peu comment c'est d'être administrateur d'un serveur Discord parce que. Je l'ai jamais été. Je m'y suis jamais vraiment intéressé. Si tu lis ton Discord et ton compte Twitch, ça importe automatiquement les emotes. Alors moi c'est fait, mais a priori ça les a pas importés. Ça les a pas importés direct. Oh non! Ah bah. Non mais c'est parce que. Non. Non mais c'est un million. Non, me dites pas que c'est 0. Non, parce qu'il n'y a pas de 0. Sinon, il n'y a pas de 0 devant. Il n'y a pas de 0 devant. Donc, par contre, je vais m'arrêter. Par contre, je vais m'arrêter. À ton Discord, à ton compte Twitch. Ah, ok, d'accord. Bah, je regarderai. Merci, Chrisou. Je regarderai. Ah, ouais. Bon, bah, j'espère que. J'espère que c'est. J'espère qu'il n'y a pas de. Oui, bon, j'espère. Hein. Bon, déjà, on sait que ça va plus loin. Merde. Les patates. De forum. Déjà, ça a pas crash. Effectivement, déjà. Soyons contents. Le jeu n'a pas crashé. Et bah, je vais à l'Apex. J'ai un marchand tout là-haut. Est-ce que je lis le. Alors, est-ce que je lis. Alors là, ça va être enregistré pour YouTube, Genius. Donc, est-ce que je lis ton message à haute voix pour que ça soit sauvegardé pour l'éternité ou pas? Est-ce que tu veux que quand il y aura une nouvelle civilisation dans 2000 ans, il retombe sur la vidéo YouTube et ils se disent ah, mais il y avait elle avait fait cette blague là? Et donc, la blague, c'est à l'Apex au moule.
Moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville. Oui, j'ai tout fini, lui. Je t'ai tout fini aussi. C'est bon, regardez. C'est bon, regardez. C'est repassé en dessous d'un million. Et du coup, j'ai rien perdu. Et il en a combien de niveaux, lui? C'est bon. Ça, c'est fait. La vie. On peut aller jusqu'où pour aller avec la vie? Attendez, je vais racheter des bougies. Ça va jusqu'où? Non mais j'ai dépensé un million. Non mais, sans déconner. Non mais sans déconner, j'ai dépensé les 1 million là. Ah mais la fourberie du truc quoi. J'irais bien aussi Salut Number 80. Comment vas-tu? Ouais j'ai eu tout le monde. Je vais retourner au... c'est ouf, ouais. Yep, ça roule. HTMP et capture d'écran pour lier le serveur Discord à ta chaîne. Ah bah super, bah merci. Merci, t'es adorable. Alors, voici ta récompense. 200 orbes, super. Magnifique, tu es arrivé. Tu es le plus grand des chasseurs de bêtes que ce royaume ait connu. J'ai toujours su que tu y arriverais. Nice. Bon, ça c'est fait. Et donc, maintenant, 100% carte. Merveilleux. Yes. Il y a une sauvegarde là-haut ou pas? Non. Bah je vais sauvegarder là. Aïe, aïe. Hop, sauvegardage. Putain mais j'ai dépensé 1 million. Eh, heureusement qu'il y a le... Heureusement qu'il y a le truc pour farm, hein, parce que sinon c'est horrible quoi. Et donc là j'ai tous les persos qui sont maxés quoi. Ouais, c'est la même histoire hein. On va pas tout refaire. On peut passer ou pas? Là là, vous allez mourir et tout. Je suis le chevalier, je suis méchant. Et j'ai deux rangées dedans. La barre de vie du boss fond tellement vite. Bah ouais mais en même temps c'est parce que j'ai maxé le truc quoi donc J'espère bien qu'ils en prennent plein la gueule. Zblut. Allez meurs. Allez. On s'en fout de la cinématique. Je suis un speedrunner.
Voilà. C'est perfecto. On peut faire ça? Ouais, c'est pas ouf quand même. Hop. Ensuite, c'est la bouche, il me semble. Ouais, voilà. Et après, c'est la tête. Et voilà. C'était le boss de fin. Il est pas ouf quand même le boss. Si, ouais, si j'avais une remarque à faire, le boss de fin est pas ouf quand même. Hein. Il y a pas trop de challenge. Alors je sais pas si vraiment parce que je suis devenu très balèze. Enfin pas moi, mais enfin mes personnages sont devenus très balèzes. Mais c'est dommage, ouais. Il y a pas trop. Quand je vois les boss de Hollow Knight à côté, bon bah c'est pas les mêmes. Hein. Donc jusque-là, tout est pareil. Il veut nous tabasser. Il nous fait un petit kamehameha. Les bras. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Epiméthéus. Ta tâche est accomplie. Je suis venu récupérer mon dû. Ton dû? Ma vie ne vaut-elle pas toutes les armes que je t'ai ramenées? C'est vrai, un pur délice. Mais ces âmes sont faibles, une goutte dans l'océan. La tienne, en revanche, acquérir ton âme n'a pas de prix. Je t'ai servi pendant des années, je mérite davantage de temps. Assez! Un pacte est un pacte, ton âme est mienne. Oh, il se vénère! On va le tabasser? Bonjour, voici une démonstration de ce que vous pourrez faire avec une GoXLR. Vous savez que j'ai une GoXLR? Oh là là! C'est mon copain? C'est mon copain qui a tout pris? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que c'est? C'est une partie de mon âme. Merde. Ruse, tu joues à un jeu dangereux, Algus. Une partie de mon âme est dans cette créature. J'ai peur que tu doives attendre pour le reste. Reverrons donc à ma prochaine mort. Adieu, Epiméthéus. Merci. Algus! Jamais personne n'avait tenté de me tromper auparavant. Bien, Algus. Je te laisse un peu de temps. Et un jour, je viendrai te prendre ton âme. Nous nous reverrons bientôt, sorcier. Oh là là. Comment il l'arnaqued ? Arnaqued ! Le dieu de la mort, là. Et du coup... Vous avez vu comme Geek, il est collé à machine. Je connais les prénoms de personne, quoi. Quel petit dégueulasse. Hein. Et voilà. Ah par contre, est-ce que ça change quelque chose sur les... Kiuli, c'est ça. Allez, c'est ça. C'est ça, c'est Kiuli. Et les autres. Il y a Algus, c'est le mage. Il y a celui qui tape. C'est le guerrier. Oh, je sais plus. Hein. Ah bah oui, on voit le mage, regardez là, sur les trucs de fin. Bram, c'est le cerf. Bram, c'est le mec de Château Vania là. Bram, c'est le cerf, bon, je...
Oh, le fist bump. Le fist bump de bro, quoi, franchement. Y a-t-il mieux? Ah, voilà, puis du coup... Ça, on l'avait pas? Si? Non? Peut-être? Je sais plus. Merci d'avoir joué. Eh bah, de rien. Écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir. Oui, on a bien farmé, puis ça s'est bien passé. Et jeu. Après, il m'a donné plein de succès le jeu. Non, il veut plus. Ah! Verrouille le mode de jeu, le chevalier noir. Finissez le mode Black Knight, donc le chevalier noir. Finissez le mode monstre, ça ok. Déverrouillez tous les autres secrets, finissez tous les modes de jeu. Ok. Et donc ? Voilà, le 100% carte et le 100% objet. Et qu'est-ce qu'on avait? Et donc on a le mode chevalier noir maintenant. Un enfant doit faire un sacrifice au Gorgon qui habite la tour des serpents. Il décide de lui imposer un test, il devra gravir la tour et mériter sa survie. Ah ouais. Je vais pas le faire aujourd'hui hein. Un sacrifice? Triste, n'est-ce pas? Les parents abandonnent comme cela. Ah, ça, on l'a vu, ça, c'était le... Festoyon. Mais cet enfant, blablabla, il est trop petit. Donc on va le garder, on va lui mettre le... On va lui mettre l'armure et puis on va laisser se démerder, quoi. Souvenirs du village, du culte, de ses parents vont disparaître et seront remplacés par de la haine. Désormais équipé d'une ancienne armure maléfique de pouvoir, l'enfant a hâte de passer à l'épreuve de la tour, prouver aux Gorgons, qui sont sa seule et unique famille. Ah ouais! Ah ouais! Ça me bouffe de la vie, ça! Ta-da-da! Mais du coup, on affronte qui tout en haut? Ils sont mignons, mais on affronte qui? Non, je fais 10 dégâts, je suis plus habitué, moi. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Et puis vu qu'on peut pas voler, on peut pas passer ici. Bon bref. Bref, si on voulait. On pourrait refaire le jeu avec lui. Le méchant. On jouerait le méchant. J'ai pas envie de jouer le méchant en plus. Ah, par contre, on a ça direct, quoi. Ça, c'est cool. Ah! Non, mais pourquoi je continue, là? On va casser la gueule à qui, là? À personne.
Mais normalement c'était lui qui était là. Oh ouais non mais les sauts qu'il fait quoi. Direct le mec il est vénère quoi. Comment ça la drogue c'est mal. Il me semble qu'il me filait un truc la première fois que je l'ai défoncé, non? Est-ce qu'il y a les gorgons qui nous... Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a les gorgons qui nous ressuscitent si on meurt avec lui? La carte. Bon allez, faut pas que je me relance là-dedans. Je suis en train de refaire le jeu là. C'est une connerie. C'est bien, je vais pouvoir tester bientôt si ça nous fait mourir ou pas. Je pense qu'il y a moyen de... Ah bah voilà. Alors. Mort ou pas mort? Ok, ça nous fait décéder. Et je reviens où? Je reviens là où j'ai sauvegardé en fait. Pouette, 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 pouette. Ouais voilà en fait. Je reviens à la dernière sauvegarde. Ah, donc les sauvegardes, ouais, ont plus d'intérêt quand on est dans ce mode-là, quoi. C'est noté. C'est quoi les 23 boules de cristal, là? Ah, bah, c'est mes... Ouais, ok, c'est mes... C'est ma thune. C'est ma thune. Allez, hop. Allez, bisous, YouTube. On y reviendra un jour, mais pas tout de suite.